Bon, on va profiter de ce petit déj pour parler un petit peu de la Supra. J'aurais peut-être dû secouer avant. Alors du coup, vu que vous êtes avec moi, tant qu'à faire, croissant ou chocolatine, c'est comme vous voulez. Je pense que je vais me faire croissant et chaud. Alors, la Supra a reçu pas mal de petites modifications depuis la dernière fois que vous l'avez vue. Je vais poser ça. Je pense que c'est assez visible. Elle a une gueule incroyable. Alors, depuis la dernière fois, j'ai fait des petites modifications qui sont esthétiques, mais qui la transforment. Donc, je pense que vous pouvez voir en premier. Ça va être une lame, donc la lame avant, c'est une lame en fibre, c'est une lame Bomex. Donc ça, c'est des pièces d'époque. En Europe, on n'en avait pas, donc déjà compliqué. J'ai réussi à trouver un Français qui en a importé une des États-Unis, qui l'a fait remouler et qui en a sorti une petite production d'une vingtaine d'exemplaires. Donc vous voyez, le truc est d'une rareté incroyable. Et ce qui est génial, c'est que ça se fixe sur la lame d'origine en fait du pare-choc. Donc j'ai aucune modif à faire. Vraiment, ni plus ni moins, je l'ai revissé sur le pare-choc et c'était bon. Ça, c'est incroyable. Donc c'est une lame en fibre Bomex. Et maintenant, mon but, ça va être aussi de trouver l'aileron Bomex qui a une forme très particulière. Si j'arrive à trouver une photo, je vous montre ça. Mais en fait, là maintenant, le but, ça va être lame avant. Aileron Bomex, et puis on verra si on met des petits rajouts de jupe de pare-choc. Mais ça va être compliqué à trouver. Ensuite, encore quelque chose de visible, mais le petit pare-soleil, le petit bandeau pare-soleil Midnight. Alors pourquoi Midnight? Parce que ceux qui connaissent la culture un petit peu JDM, voiture japonaise, vous savez que il y avait le fameux Midnight Club. Et je voulais vraiment faire référence à ce Midnight Club. On va pas se laisser abattre. Donc ce petit bandeau pare-soleil Midnight, ça contribue à rabaisser la ligne totale de la voiture. Donc entre la lame avant Bomex et le bandeau pare-soleil Midnight qui rabaisse la voiture, en fait la voiture est carrément transformée. C'est-à-dire que là maintenant on dirait qu'elle est vraiment claquée de 30 cm au sol. Alors qu'avant c'était presque un 4x4. Il faudrait que j'arrive à vous trouver des photos avant après, que vous voyez la différence de gueule entre l'origine et lame et bandeau par soleil. C'est incroyable. Alors le bandeau par soleil, petit croc. Le bandeau par soleil, il gêne pas tant que ça. Comme j'ai les baquets à l'intérieur, comme vous le savez, je fais 1m86 et le bandeau par soleil ne me gêne pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai tendance à conduire très bas. Et en vrai, on a largement de quoi conduire. Après, effectivement, ça réduit un petit peu la ligne d'horizon. Pas très grave non plus. Mais c'est pas gênant, en fait, pour conduire. Même moi, c'est la première fois que je mettais un bandeau pare-soleil comme ça. Et j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, au pire, je l'enlèverai. Mais non, ça passe super bien. Par contre, maintenant, j'ai les essuie-glaces qui frottent dessus. Et ça me bouffe les balais d'essuie-glace à une vitesse assez incroyable. Et ensuite, pour finir, ah là là, le gros craquage. 4 jantes Rota grid. Alors pourquoi des Rota grid? Et bien tout simplement parce qu'elles étaient totalement dans les specs que je voulais. C'est-à-dire des jantes en 9,5 de large et avec du déport. Donc là, en fait, on est en 4 x 9,5 de large. C'est des jantes de Mitsubishi Lancer, en fait. Normalement, on a 8,5 devant, 9,5 derrière. Moi, 9,5 partout. Et en fait, je vous explique pourquoi ça va super bien. Parce que je suis en 235 flanc tendu devant et 245 flanc tendu derrière. Et en fait, je suis toujours en taille homologuée. Donc, 235, 245 sont les tailles homologuées en 18 sur les Supra. Donc, avec des jantes très larges et des pneus à taille homologuée, j'ai pu faire des flancs tendus comme ça. Donc, avec les 4 jantes Rota, j'ai rajouté 4 pneus. Et par contre, c'est des pneus d'occasion que j'ai montés.
parce que vu l'utilisation de la Supra, ça me faisait chier de monter des pneus neufs, franchement. Donc voilà, on a 4 jantes rotagrid avec 4 petits pneus flanc tendus. Ah oui, j'ai aussi collé les. Alors, pour ceux qui vont me demander, c'est des autocollants complets Toyota Tire. Donc en fait, j'ai acheté ça sur AliExpress et j'ai utilisé une colle de chez Drift Shop. Donc je disais, c'est une colle exprès pour les étiquettes de pneus. Voilà, parce que j'avais pas les thunes à balancer dans des Toyota Tire sur la Supra. Donc j'ai mis des pneus d'occasion avec des étiquettes Toyota Tire. Ça fait très bien le boulot. Et d'ailleurs, tout le monde est assez étonné de la qualité de ces étiquettes de pneus. Donc voilà, globalement, ça a été les trois grosses modifs en fait sur la Supra. La lame Bomex, le bandeau pare-soleil et les 4 jantes Rota. C'est pas grand chose dans l'absolu, mais vraiment ça transforme la voiture. La voiture, vraiment on dirait que c'est deux voitures différentes. Et maintenant, dans ce setup là, vraiment je suis amoureux de la Supra MK3. La MK4, c'est la légende, je suis d'accord. Mais quand on voit la gueule de ce truc là, je suis désolé, si ça vous aimez pas, c'est que vous aimez pas l'automobile, quoi. C'est pas possible. Alors, petite précision aussi, pour passer les 4 Rota, donc en 9,5 de large, T12, il a fallu tirer les ailes. Le problème, c'est que la voiture a déjà été repeinte au minimum 2 fois, peut-être 3, et vu que c'est du brillant direct, quand j'ai tiré les ailes, bah, le brillant direct, il a pas kiffé sa vie, et donc ça a commencé à fondre un peu. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que de toute façon, la voiture va avoir une peinture complète. Mais pour ceux qui se demandent, il a fallu tirer de, je dirais, 2 bons centimètres, ouais, quand même. Avant et arrière. Alors arrière un petit peu moins, mais il a quand même fallu tirer les ailes arrière et les ailes avant. Alors là, par contre, le fit, il est extraordinaire. Vraiment, les ailes tombent pile poil sur les pneus. C'est incroyable. Et donc sur cette fin de croissant, je pense qu'on va dire au revoir. Dites-moi ce que vous pensez de la Supra. Dites-moi ce que vous pensez de l'esthétique de la Supra maintenant. Et si pour vous, il y a encore des petites choses à revoir. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit rendez-vous à la prochaine. Et la prochaine, je pense que vous allez avoir une petite surprise de type motorisation. Allez, salut!